Justine Cordule attend actuellement son 7e enfant. Mais la candidate de famille nombreuse. La vie en XXL, TF1, a eu une mauvaise surprise lors de la 2e échographie. La sage-femme lui a annoncé, ainsi qu'à son mari Steve, qu'il y avait un problème avec leur petite fille à naître. Si elle n'a pas donné les détails de cette discussion, elle a annoncé à ses abonnés qu'elle avait eu un rendez-vous important, mardi 16 novembre 2021. Justine Cordule s'est en effet rendue à l'hôpital afin de faire une échographie approfondie pour bien voir le cœur de son bébé. Et, bonne nouvelle, ils n'ont rien trouvé. Aujourd'hui nous avions rendez-vous pour l'échographie de son cœur pour écarter certaines maladies. Et aucune anomalie cardiaque n'a été détectée, c'est plutôt bon signe. Nous restons quand même inquiets et sans réponse à nos questions jusqu'au prochain rendez-vous qui sera fin novembre. Merci pour tous vos messages. Peut-on lire en légende d'une photo de la belle blonde et de son mari? En story, Justine Cordule a ensuite précisé en story que d'ici une dizaine de jours, son mari et elle en sauront plus. Je vais me répéter mais ça fait à peu près 15 jours que j'ai eu le rendez-vous où on nous a annoncé qu'il y avait un problème pour la petite. On ne rentre pas dans les détails parce qu'on ne veut pas avoir de diagnostic de pseudo-médecin d'Instagram. Je ne veux pas être négative ni positive parce qu'on attend. S'il y a un problème on le dira et si tout va bien également. Mais tant qu'on ne saura rien, on s'abstient, a-t-elle conclu. Espérons pour les candidats de familles nombreuses que cela ira, un beau cadeau de Noël en avance.